Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K20. Les petits loups, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Et aujourd'hui, on va faire le match qui est proposé par Denise Oz, qui me dit un match entre Ronda Rousey versus Brooklyn Von Braun en mode normal à WrestleMania. Et tu prends qui tu veux. Alors, je pense que je vais prendre Brooklyn, parce qu'il me semble qu'elle a une moins bonne note que Ronda Rousey. Ce sera un petit peu de difficulté. Pour ceux qui ne savent pas qui est Brooklyn, en fait, c'est un petit peu la Ronda Rousey qui est dans le mode ma carrière qu'ils ont voulu faire. C'est une championne de MMA, c'est qui nous met pas mal de bâtons dans les roues dans la carrière. Du coup, bah, je vais la sélectionner vu que j'ai très très peu joué avec. Oubliez pas, voilà, de faire comme Denise qui a proposé un match un petit peu original des fois, de mélanger des personnages qu'on a dans ma carrière en mode exhibition. Donc faites-vous plaisir à ce niveau-là. Balancez tout plein de matchs. Et encore une fois, si vos matchs ne sont pas faits, rebalancez-les en commentaire. Des fois, changez-les un petit peu. Et je précise une chose, parfois, je tourne pas mal de vidéos à la suite. Donc peut-être que votre match est déjà enregistré, mais qui n'est pas encore publié. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et qui mange pas de pain. Et puis, on est parti. C'est parti. The American Hero contre Roddy, Ronda Rousey. Ça va se passer tranquillement. Voilà. Ça va se passer tranquillement. D'ailleurs, au niveau des notes, je pensais que Brooklyn avait beaucoup moins, mais en fait, elle a 89 et Ronda Rousey a 90. Voilà. Donc, un point de différence. C'est pas grand chose. Mais on va essayer de faire les choses bien. C'est que Brooklyn, il me semble, je l'ai joué qu'une seule fois durant la carrière. C'est un moment où on fait du tag team avec El Pig. C'est la seule fois qu'on a pu l'utiliser. Donc là, avoir un combat avec elle, ça pourrait être pas mal. Parce qu'après, on a aussi d'autres persos. Hein. Tous les personnages qu'on a pu voir dans le mode histoire, genre le Ribs, Flash O'Reilly, etc. Bah, Colkin aussi est dedans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'aimerais pas me tromper, mais... Alors, on a du mal. Tiens, ce qu'on va faire, c'est utiliser un petit peu les cordes. Ou pure... Utilise-les-toi si tu veux. D'accord ? Utilise-toi si tu veux. Ah ouais? Tu t'es pris pour la statue de la liberté pour lever le doigt comme ça? Aïe. Oh là. Tu fais des enchaînements de points comme ça. Regarde bien. Oh là, d'accord. Combat à l'UFC. UFC 4. Nous voilà. D'ailleurs, je me demande si un UFC est prévu. Je pense que oui, ils sont en train de travailler dessus. Après, il faut leur laisser le temps. Laissons-leur le temps, parce que je trouvais que le UFC 3 était vraiment un poil trop ressemblant en même temps. Ouais. C'était quand même très très bien. Mais j'aimerais bien une carrière, enfin, moi j'aime bien le cas de WWE, parce qu'en fait c'est une histoire que tu vis, tu vois, c'est pas autre chose. Dans l'UFC, c'est pas vraiment une carrière que tu fais, c'est une carrière, mais, enfin je le comprends, moi je voudrais un truc comme ils ont pu faire pour Fight Night Champion, une histoire, voilà. Je veux vivre une histoire, et pas simplement une carrière. Je sais pas si je me suis bien... What? Mais, vous avez vu ce qu'a s'est pris là? Ah, s'est pris le quoi du ring? Très bien. Brooklyn, c'est assez... Oh, bon, d'accord. En fait, le combat, il n'est pas possédé. J'ai vu... Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Brooklyn? Voilà. Fais-lui mal. Debout. Là, on va t'enchaîner. Ah, au début, tu t'es un peu foutu de nous. Voilà. Ah ouais. Mais Ronda Rousey, faut oublier, l'une des meilleures du jeu, en tout cas. Je trouve qu'elle attaque... Les enchaînements qu'elle peut avoir, Brooklyn, sont assez rapides. Bien joué. Et là, ça va attaquer. Voilà. Garde haute, fais attention. Tout va bien. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Ah, mais Ronda, tu te la pètes un petit peu trop. C'est pas bon, ça. Eh oui, je t'ai dit quoi? Bien joué. En fait, je t'ai rien dit, hein. Calme-toi. Améo. Et bim. Le spécial. Je fais le spécial numéro 2. Je sais pas s'il change par rapport au numéro 1. Qu'est-ce qu'elle a de Oh My God, Brooklyn? Tiens, on va tenter, pourquoi pas. Voir celle-là, Oh My God, au niveau du coin déjà. On prend notre temps. Non. Déjà... Ah, ok. Merci. Tiens. Tu retournes au coin. Ou tu veux pas... Je dis tu retournes au coin. Hop là. Là, tu te mets par-dessus la troisième corde. Et là... Ah, ça fait mal. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant... Ça picote terriblement. Après, là, son finisher ici, d'accord. Elle n'a pas autre chose. Je découvre en même temps, tout comme vous. Tiens, ça, on va tenter de l'esquiver. Nickel. Saut de mouton. Oh, il y avait un...
On pouvait faire un tombé sur ça. Pas mal, pas mal. Tiens. Ça, c'est le deuxième finisher. Ça passe pas. Aïe, 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 attention. Et ouais, là on est mal. Là, on est mal. Elle va nous dévorer comme une ogresse. Parce que là, elle a son finisher. Limite, on peut rien faire. On peut même pas contrer. Calme-toi, Ronda, s'il te plaît. Ronda, calme-toi, je t'ai dit. En plus, elle a un deuxième finisher. Bon. Est-ce qu'elle en a besoin en même temps? Ouais, un. Simplement un. Bah ouais. On peut essayer de la copier aussi. On peut essayer. Si à un moment, on a la possibilité de le faire, eh bien, nous le ferons. Déjà, hop là. Le spécial, le premier. Bon, on la copie finalement. On lui fait ce qu'elle nous a fait. Et ça, c'est une bonne chose. Et là, on copie le finisher. Ça, c'est une humiliation, tu vois. Qu'on utilise ton propre finisher contre toi. C'est ce qu'il y a de pire. Ah, ça rebreak ça. Ah, mais non. Elle a utilisé sa révolte. Vilaine. Vilaine. Et vilaine. Aïe. Ça fait mal. Vite, vite, vite. Oh là là. Ah, mais. Elle nous fait ce qu'on a voulu lui faire. Zut, je pensais que ça rebreak. Bah oui. Hey. Notre jambe, elle est passée 40 fois à l'extérieur. Ouais, non, non, non. Attention. Wow. Un. Simplement un. Qu'est-ce qu'il y a? Brooklyn Van Braun. The Emmy Weekend. Iwo. Ah oui. Pour la reine, j'ai choisi. Merci. La reine WrestleMania 39. Je l'ai trouvé assez stylé pour ce combat-là. Plutôt que. C'est que très très souvent, vous proposez la reine WrestleMania. Du coup, pour éviter de voir toujours la 35. Je lui dis, tiens, on va prendre celle-ci. Allez, reviens là. Hop là. On ne te laisse pas de temps. Oui. Elle l'a attrapé par les cheveux. Attention, hein. Heureusement qu'elle n'a pas des extensions et tout. Sinon, ça aurait mal fini. Bien joué. Oula. Petite erreur de sa part. Et moi, j'en profite. Elle a aussi une revenge. Ah, mais ça, me l'aura toujours contré. Hein. Elle m'aura laissé à aucun moment lui mettre une petite tatane, genre comme ça, tu vois. Par contre, elle a fait plaisir. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Nice le contre. On y va. On peut tenter le tomber. Ça rebreak, je crois. Non, même pas un. Deux. Simplement deux. Et sur le débat. Oh, on se débat aussi vite que. Ça va, tout va bien. Tiens, par-dessus la troisième corde. Brooklyn. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Attends, j'ai envie de retester. Non mais là, c'est réveillé trop vite. Attends. Ouais, mais vous voyez, le souci, c'est que j'ai même pas le temps d'essayer de faire le mien. Tiens, calme-toi, d'accord? Et bim. Allez, faut que ça passe. Nice. Ah non, là, ça va mieux. D'accord. Bon, tentons notre finisher à nous. Normalement, il n'y a aucun problème. C'est parti, voilà. Assez simple celui-ci. J'étais un peu déçu. Ouh, ça peut rebreak ça peut rebreak. Ah ouais. C'est pas grave, on se donne de la force. On y va. Et là, cette fois-ci, on essaie de l'enchaîner. Voilà, bien joué. Un autre. Ouh, dommage. Ouf, ça fait mal ça. Aïe. Arrête. Ok. Je lui dis d'arrêter. Elle, qu'est-ce qu'elle pense à quoi? Je continue, bien entendu. Pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Voilà. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Je vais contrer son spécial. Ah non, non. Me contre pas cette prise. Oui. Hey, Super Saiyan. J'ai même pas vu les frappes partir. Oh, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite pour moi, là. Voilà, récupérer son spécial en plus. Ça sent le roussi qui est si à nous la place. Ah ouais. Face dure. Ouais, mais. Me fais défoncer. Tu veux pas te barrer, Brooklyn? S'il te plaît. Bah oui, regarde. Tony Cotti, Tony Cotta. Allez hop. Non, calme-toi. Non, je te l'ai dit ça. Je te dis, il faut être calmé direct.
Non, 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 reviens, reviens, dépêche-toi. Dépêche-toi que j'ai mon instinct de voleuse qui est là. Oh, mais genre, depuis quand ça contre ces prises-là? Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. 1, 2. Fou, j'ai eu chaud. Ça allait super vite. J'ai même pas tenté de faire le renversement. Juste tenté de me relever. Ça s'est contré aussi. Voilà. Et bim. J'aurais peut-être pas eu le temps de faire le finisher. Mais faire soumettre Ronda Rousey, c'est la plus belle des victoires. Voilà, comme ça, on finit par une, par une soumission. J'ai failli m'étouffer. Bref, c'est pas grave. Les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, de proposer tout plein de matchs divers et variés. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut! Impressive showing for the win tonight. I don't think she's ever looked more dominant. And I can imagine there aren't too many people at home regretting tuning in for that amazing match. Wow.